Abondance prépare Noël. Cette année, la ville a demandé à un artiste belge, Jean-Marie Lesage, de décorer à la main les vitrines des magasins de la ville. Grâce à sa dextérité, il a personnalisé chaque boutique avec des dessins originaux pendant 4 jours. Moi, je m'appelle Jean-Marie Lesage. Je viens de Oufalize, en Belgique. Aujourd'hui, depuis hier et avant-hier, on travaille pendant 4 jours sur la Gondange. On décore à peu près 65 commerçants qui ont été réservés par la commune. Et les commerçants disent ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, ou alors j'improvise. Souvent en rapport avec le commerce, mais les gens me laissent soit la liberté, soit ils donnent une imposition et j'exécute ce qu'on me demande, quoi. Artiste peintre, en fin de compte, je vis de ça, de ma déco. Je fais des fresques, des murs, mais c'est surtout des vitrines de Noël, parce qu'on connaît par ça. Des murs, des fresques. Juste avant de partir ici, je faisais un bac à sable, par exemple, dans un gros centre commercial. Donc il fallait faire, on allait amener des camions de sable, et ben, je faisais la mer, la plage autour, des choses comme ça. Quoi. On me demande n'importe quoi. La veille, c'était un arbre. Les gens me disent ce qu'ils veulent. Quoi. L'épouse de Jean-Marie Lesage, donc c'est Martine. Je travaille souvent avec, ben presque toujours avec lui en fait, hein. Donc normalement, c'est parce qu'ici tous les commerçants sont facturés en une fois à la commune, d'accord, mais sinon lui il peint, je vais trouver les clients pour voir ce qu'ils veulent, donc je lui explique et après je fais la facture chez chacun et j'encaisse. Donc le temps que j'ai fait tout ça, ben lui il a déjà fini sa vitrine. Si on est là pour 3-4 jours sur Agondange, d'ici on remonte sur Etelbruck d'Ekir, c'est le Grand-Duché du Luxembourg, on travaille une journée là-bas, on monte à Durbuy parce qu'il faut absolument être là le dimanche matin, et puis on remonte sur la France, on va sur Paris pendant quelques jours. Tout ça est réservé depuis plusieurs mois, puis on redescend sur la Belgique, enfin on traverse toute la Belgique, mais c'est souvent les mêmes villes, la France et le Grand-Duché, quoi. Mais ce sont des gens qui ont réservé plusieurs mois à l'avance. On ne vient pas à l'improviste, on ne va jamais visiter les gens pour voir s'ils veulent bien qu'on vienne. Hein. Ce ne serait pas possible.